Bienvenue à la 16e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami David Temam de Jérusalem. Très bien. Qui vient jouer pour l'association Amaor chez Batora. Amaor chez Batora, du Rav. Du Rav Moshe Aharon Toledano. D'accord, alors qu'est-ce que c'est cette association? En fait, c'est une association qui regroupe plusieurs activités. Donc, la première activité, donc, c'est celle du matin. Il y a un kollel pour les Avrichim et il y a aussi un Beit HaMidrash pour les adultes. Super. Bien, tu l'as dit, donc jusqu'à 13h, de 9h à 13h, il y a des cours de Torah pour les adultes qui veulent étudier. Et en parallèle, il y a aussi une autre salle qui est réservée aux Avrichim, dans laquelle il suit un CDR, je crois qu'ils sont sur... prochaine Mishpat en ce moment. D'accord. Voilà, donc ça c'est le matin. L'après-midi, une fois que l'école est terminée, donc il s'occupe des beaucoup plus jeunes, donc des enfants primaires, l'école primaire ici en Israël, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais qu'il s'occupe des primaires et donc il y a un soutien pour les devoirs, il y a un soutien pour la Torah, donc ça continue. Suite à cela, donc c'est le soir, il s'occupe des adolescents, donc tous les adolescents à partir de 14 ans jusqu'à 16 ans à peu près. Donc là, il s'occupe des adolescents et ce qu'il fait pour les attirer, donc c'est un endroit où ils peuvent manger des pizzas, et ils peuvent prendre des glaces, etc. Et en même temps, il en profite pour enseigner des paroles de Torah. Donc on parle bien du fils du Rav Yitzhak Toledano du 19e. Exactement, l'illustre. L'illustre Rav Yitzhak Toledano, eh bien, on te souhaite beaucoup de réussite. Amen. Que tu puisses participer à leur grande entreprise par un petit don. Ou un grand don. Enfin, on peut vous prendre jusqu'à combien? Alors justement, tu pars avec une cagnotte de 1600 shekels. D'accord. Puisque notre jeune ami Betzalel Cohen est arrivé jusqu'à 1600 shekels dans la cagnotte et les a laissés pour toi. D'accord. D'accord, donc tu as tout à gagner. Très très bien. Ah. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Non, je ne connais pas. Non? Bah alors, c'est parti pour les règles du jeu. Top. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. C'est clair ? On oui, passe tout clair. De suite à la première question. C'est parti. Dans la paracha de Shemini, à qui Moshe donne-t-il raison en public après s'être mis en colère par erreur ? J'ai aucune idée. Donc je sous voudrais... quel mode tu souhaiterais parler ? Le 4 alors. Shenfa ? Oui. 4 ? Ok. Pour 300 shekels ? Allons-y. Réponse A, Betzalel. Où sont écrites là ? Réponse B, les filles de Tselophrad. Ah oui, ok. Réponse C, les fils d'Aaron. Réponse D, aux 2 tribus et demi. Réponse B, je crois. Les filles de Tselophrad. Mmh. Eh bien, c'est faux. Ah. C'était les fils d'Aaron, Elazar et Itamar. Et c'est à quel tribu ? Elazar et Itamar étaient censés consommer la chair d'un bouc offert en sacrifice pour expier la faute du veau d'or. Moshe leur reproche leur comportement, arguant que la faute du veau d'or ne sera pas pardonnée. Ah. Mais Aaron s'interpose, leur comportement était justifié car ils étaient en deuil de leur grand frère Nadav et Avihu. Ah, okay. Moshe reconnaît son erreur, cet épisode nous rappelle entre autres que même le plus grand des hommes peut se tromper, mais il sait par contre reconnaître son erreur. Ça te fait quand même 1600 shekels dans la cagnotte cette erreur. On passe tout de suite à la deuxième question, c'est parti. Moi je me suis pas mis en erreur. Quelle fut la ville attaquée par Yehoshua après la conquête de Jéricho? Shenfa? Oui. 4 choix de réponse. Réponse A, Aï. Réponse B, Oignon. C'est une blague. Réponse C, Oui. Réponse D, Hebron. Non, c'est pas Hebron, j'aurais dit aïe. Réponse A. Aïe ? Oui. Non. Comme aïe 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 ? Ça, c'est d'Enrico. Eh bien, c'est la bonne réponse, bravo. Il ne s'est pas laissé avoir. La première bataille de Aïe fut un désastre.
36 soldats juifs tombent au combat, cela parce que Achan a violé l'anathème institué par Yehoshua, interdisant aux juifs de prendre du butin dans la conquête précédente, la ville de Jéricho. Bravo, 300 shekels dans la cagnotte, plus 1600, ça fait 1900 shekels. Troisième question, c'est parti. Quelle est la dernière mitzvah énoncée par la Torah selon le Sefer Achinuch? Pareil aussi. Tu veux pas nous faire un blatin en direct? Ouais, tu là... réponds direct. Pour ta femme. Dans le Sefer. Ah. je ferai la vaisselle, là. C'est ça, la dernière mitzvah. Non, je sais pas, je connais pas du tout. Ouais, j'ai aucune idée. Allez, en 4. En 4. Je savais même pas qu'il existait le livre de Sefer Achinuch. Très bien. À réponse A, le Hakel. Hakel, ok. C'est le rassemblement après la 7e année. D'accord. Réponse B, écrire un Sefer Torah. Ok. Réponse C, aller dans les voies de Dieu. Réponse D, interdit d'utiliser le Maaser Sheni autrement que pour de la nourriture. Moi j'aurais dit la réponse C, aller dans les voies de Dieu. Aller dans les voies de Dieu, ce serait la dernière mitzvah du Sefer Achinuch, livre que tu ne connais pas. J'hésite entre le B et le C, mais... Eh bien, dommage. C'est un coup de poker. C'était écrit un Sefer Torah. Écrit un Sefer Torah, ouais. La dernière c'était mitzvah. Trop évident. Ouais. Voilà. Et tu restes à 1900 shekels. C'est bon, c'est bien déjà. Je remercie Betzel. Quatrième question, c'est parti. Qu'est-il arrivé à Ben Azaï après son entrée dans le Pardès, les secrets de la Torah? Ben Azaï. J'ai aucune idée. Je sais pas. En quel mode tu souhaites répondre? En souhaite en mode toujours pareil. Je vais être constant. Shenfa, en 4. Ouais, je vais être constant. Tu veux pas tenter un 2 pour 100 shekels? Ouais. Alors tentons un 2, comme ça on arrive à 2000 shekels. Voilà. Alors tentons. Toujours donc pas. Tu choisis le mode roule? Oui. Apparemment ça te fait rire, mais. Réponse C, il en est mort. Dans le Pardès, il en est mort. Réponse D, il est devenu renégat. Ça, je suis surpris qu'il serait devenu renégat. Ben Azaï. Non, il en est mort. Il en est mort, c'est la bonne réponse, bravo. C'est marqué dans le Talmud traité Chagiga 14b. Quatre sages ont pénétré le Pardès et ont contemplé la gloire divine. Ben Azaï en est mort. Ben Zoma est devenu fou. Fou, ouais. Elisha ben Abouya a renié sa foi. Ouais. Et Rabbi Akiva est entré et sorti en paix. Ouais, vivant. Bravo. 2000 shekels dans la cagnotte. J'ai entendu que le Rav de Dano regarde cette émission. Ah. Donc il te regarde. D'accord. Il compte sur toi. On passe à la cinquième question. Allons-y. C'est parti. À qui était mariée la troisième femme de Rabbi Akiva avant sa conversion? À qui était mariée la troisième femme de Rabbi Akiva avant que sa conversion? Ah, je crois que c'est quelqu'un qui était dans l'armée, un gradé. Hein. À qui était mariée la troisième femme de Rabbi Akiva avant sa conversion? Ouais, c'était un goy, je crois, non? Je sais pas, je sais pas. En quel mode Oula, tu souhaites répondre? Non, pas Oula, Shenfa. Pour 300 shekels. Allons-y. Réponse A, Caius Bonus. Réponse B, Adrianus. Réponse C, Antoninus. Et réponse D, Turnus Rufus. Turnus Rufus. C'est la bonne réponse, bravo. On voit ça dans le tableau côté Nedarim à la page 50B. Bravo, 2300 shekels. On passe maintenant à l'épreuve de la juste date. C'est parti. Alors, l'épreuve de la juste date, c'est simple. Je vais te poser une question. J'ai besoin de la date exacte en 15 secondes. Je vais te dire plus ou moins, je vais te guider pour D'accord. arriver à la juste date pour valider ta cagnotte de D'accord. 2300 shekels. Soit tu la valides et on fait un virement directement à l'association du Rav Toledano. Ok, d'accord. Soit tu ne réponds pas juste et la vérité, on aura passé un moment sympathique. Ouais, ça va rester sympa. Vraiment ouais. À noter dans les annales les mémoires de cette émission jeune et récente. En quelle année du calendrier hébraïque Rabbi Yehuda Anassi a clôturé la compilation de la Mishnah? 2500. Plus. 2800. Plus. 3000. Plus. 3200. Plus. 3500. Plus. 3800. Plus. 4000. Moins. 3900. Plus. 3950. Plus. 3975. Plus. 3980. Moins.
3977. Plus. 3978. Juste. Pas bon. C'était juste bon. À une seconde d'écart, ah. Tu gagnais les 2300 shekels pour l'association. Ah, c'est dommage. On peut le refaire ? On peut le refaire ? C'est dommage, j'ai de la peine pour toi. Ouais, moi aussi. Et à chaque fois que ça se passe, on a des commentaires sur le site de gens qui sont pas contents. Ah non, non, c'est inutile. Non. C'est, on a passé un moment. Non, non. Mais en tout cas, tu permets à un prochain candidat de repartir avec 2300 shekels au démarrage. Très, très bien. Il va me citer du coup alors. Hein, voilà. Il va me citer. Peut-être que tu peux ici indiquer à la caméra. Oui. En allant sur le site Amaor chez Batora, je crois que là-bas il y a un RIB. Et si vous voulez faire un don pour aider cette association, le Rap Toledano, il fait des choses extraordinaires vraiment. Il aide beaucoup les jeunes et les moins jeunes. Et il les soutient pour éviter que les enfants ils soient dans la rue après les écoles. Et au moins, ils sont encadrés, ils sont dans un makom de Torah. Donc voilà, je vous encourage vivement à faire des dons auprès du Rav Moshe Aaron Toledano. Son site, c'est Amaor chez Batora. Voilà. Bravo, on a passé un excellent moment. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.